Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. On a tous des moments où on est un peu démunis face à notre enfant qui court dans tous les sens, qui n'arrive pas à se poser, qui râle pour un rien. Il y a des journées comme ça où il se lève du mauvais pied aussi et rien ne va. Il essaye de faire quelque chose avec, une tour, il essaye de monter quelque chose avec ses jouets, ça ne marche pas, il se met dans des colères pas possibles. Ou bien dès qu'on lui dit un tout petit non, même si on essaye de faire en sorte que ce soit bien accepté, on évite le non, on dit plutôt oui mais, enfin voilà, on utilise plusieurs techniques. Et pourtant, notre enfant réagit mal à chaque chose qui se passe. Il y a des journées comme ça où on se retrouve un peu désemparé. Et du coup, face à ça, nous, la sauce monte aussi à l'intérieur de nous et au final on n'arrive pas à nous-mêmes nous canaliser pour pouvoir le canaliser lui. On voit bien que ça tourne pas rond pour lui et on essaye de trouver des petites choses pour contrecarrer ça, pour lui proposer des activités, lui proposer une sortie, lui proposer différentes choses, nous montrer compréhensifs, à l'écoute, etc. Et pour autant, rien ne marche. Eh bien, il y a ce qu'on appelle une respiration, une position, alors un peu tirée du yoga. Mais donc c'est ce qu'on appelle la position koala ou la respiration koala avec notre enfant. Évidemment, ça fait partie de toute cette, toute cette approche de méditation, de yoga, etc. que j'utilise moi personnellement assez peu finalement. Même s'il y a forcément des choses un peu naturelles qu'on fait sans s'en rendre compte, qui viennent effectivement qui se rapprochent de ces techniques-là. Mais ça, la respiration koala, je l'ai essayé avec mon petit garçon et ça marche super bien. Alors je l'ai essayé plusieurs fois et notamment ce matin. Alors ça s'est très bien passé ce matin et puis d'un coup, ça n'allait plus. Alors voilà, et tout ce qu'il essayait d'entreprendre, ça ne fonctionnait pas, etc. Et ça le mettait dans des crises folles. Il râlait, il se plaignait de tout. Et en fait, j'ai essayé à nouveau cette respiration koala et ça a super bien fonctionné. Alors cette respiration, c'est une respiration à deux, donc ventre contre ventre. Donc on prend notre enfant contre nous, là il est donc face à nous et puis on l'enveloppe avec nos bras. On met sa tête ici, plus ou moins haut. L'idée, c'est que en fait, nos deux ventres soient collés l'un à l'autre. Et ce qu'on fait, ce qu'on recherche, c'est de synchroniser nos deux inspirations et expirations. Il faut qu'on arrive à se caler, à respirer en même temps. Donc évidemment, c'est à nous de calmer notre propre respiration, de faire en sorte qu'elle soit douce, lente, calme. Ça va venir nous apaiser et lui, en fait, il va se caler finalement un peu automatiquement, un peu naturellement sur notre respiration. Il faut avoir aussi une respiration profonde pour vraiment venir oxygéner tout notre corps et que lui aussi se cale là-dessus, sur ses respirations profondes. Et on essaye de tenir comme ça, alors idéalement 20 secondes au moins, parce que c'est ce dont le corps a besoin pour vraiment s'apaiser, se libérer. En fait, ça va libérer l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, l'hormone de l'amour, l'hormone du plaisir. Et donc, au moins 20 secondes vont permettre à notre enfant et à nous-mêmes de nous calmer et de nous synchroniser dans cet apaisement simultané. Alors oui, on peut faire ça quand on sent que notre enfant en a besoin. On peut aussi l'instaurer comme un rituel quotidien. Alors moi, je ne l'ai pas instauré comme ça, comme un rituel quotidien. Nous, on va plutôt danser, etc. Au quotidien, c'est notre façon de nous connecter. Mais cette façon-là, voilà, tu peux le faire quand tu veux, quand tu sens qu'il en a besoin, ou bien vraiment l'instaurer comme un rituel quotidien, le matin ou le soir. Peut-être le matin, c'est pas mal pour commencer bien la journée et puis nous recharger en amour avant de se séparer, que l'enfant aille, je sais pas, à la crèche, à l'école ou nous au travail ou autre. Ça dépend aussi du temps qu'on a, évidemment, ça demande quand même de faire la part des choses, de savoir que voilà, c'est un moment à nous,
Donc ça nous demande une pleine disponibilité avec notre enfant, donc il faut mettre de côté tout le reste. Donc il ne faut pas que ce soit dans un moment de rush, évidemment. Donc si le matin, ce n'est pas propice, mais pourquoi pas en fait, hein, c'est toujours possible de peut-être se lever 10 minutes avant ou 5 minutes avant, je ne sais pas, pour justement avoir ce temps-là avec notre enfant. Et sinon le soir, évidemment, après avoir passé la journée des fois loin, éloigné l'un de l'autre, c'est peut-être un excellent moyen de se reconnecter pour repasser justement une bonne nuit. On peut aussi profiter de cette respiration koala, peut-être à la fin, pour se parler, pour se dire des choses douces, pour se dire peut-être dire à notre enfant des choses positives qu'on pense de lui, des choses qu'on ne lui dit pas forcément au quotidien, alors que on les pense, on les a à l'intérieur de nous, mais on ne les sort pas, on ne les formule pas forcément. Et pourtant, ça fait du bien à notre enfant d'entendre qu'on pense du bien de lui, qu'on pense qu'on aime quand, je sais pas, que j'aime quand t'avoir contre moi, j'aime, enfin voilà, chacun après trouve ses propres mots, mais même j'aime quand tu coopères, quand on va au bain, lui dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lui dire, qu'on prend pas le temps de lui dire dans d'autres contextes. Donc c'est le moment de se lâcher, parce que là on est justement apaisé et libéré, donc on peut lui dire ce genre de choses et on va en sortir tous les deux grandi et apaisé, et puis prêt pour voilà, pour affronter la journée ou affronter la soirée ensemble de manière beaucoup plus sereine. Donc je t'invite à essayer cette position koala, cette respiration koala, cette respiration à deux, ventre contre ventre, c'est ça qui est important, bien collé, enlacé l'un contre l'autre, tenir au moins 20 secondes, au moins, ça peut durer plus longtemps bien sûr, il n'y a pas de limite, mais si on n'a pas forcément le temps, ça peut au moins durer peut-être 20 secondes, 30 secondes, voilà, à voir selon chaque cas, chaque situation évidemment. Donc voilà, c'était une petite astuce que je voulais partager avec toi, que j'ai mise en application et qui a apaisé Léo directement après s'être énervé un peu dans tous les sens. Il partait dans tous les sens et bah d'un coup ça l'a canalisé, ça l'a reconnecté à moi et on a partagé un moment un peu magique tous les deux. Donc je voulais partager ça avec toi. Sur ce, je le dis jamais en fait dans les vidéos, mais je suis sur Instagram et je publie régulièrement des photos. Alors peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours, vraiment pas loin. Je me suis vraiment investie dans Instagram. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram en tapant tout simplement Horizon Famille, ou bien tu peux cliquer sur le petit i là, d'information au-dessus de l'écran situé sur YouTube, ou sinon sous la vidéo tu trouveras le lien vers Instagram. Et puis du coup, tu peux commenter et aimer les photos que je publie quasiment tous les jours, on va dire. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous sur Instagram. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt aussi sur la chaîne Horizon Famille. Salut !